miles during the... Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à Formula One 99, cette fois-ci sur PlayStation, non pas sur PC comme il y a moult années. Donc, je sortis en 99, bien entendu, toujours édité par Psygnosis. Et un jeu qui démarre avec une introduction magnifique, sincèrement, j'en ai encore des frissons, quoi. Le début de l'introduction, elle est géniale ici. En plus, il y a la voix de Murray Walker et tout derrière. Franchement, parfait, extraordinaire. Et là, on arrive tout de suite sur le menu principal, et là, on est de suite calmé, mais un truc de fou. Écoutez-moi ça. Rien. Rien du tout. Aucune ambiance. Incroyable. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Autant le 98, par exemple, le 98, par exemple, c'était pourri. Mais alors, si un truc était bien, c'était les musiques. Les musiques dans les menus étaient entraînantes, etc. 97, c'était pareil. 95, c'était pareil. Mais alors là, ils se sont dit, bon, les mecs, on met pas de musique. Tout va bien, on va être dans l'austérité la plus totale, et vous allez voir que les menus sont le même qu'avis. Alors, on a un mode course rapide, un mode grand prix, un mode 2 joueurs, et on peut changer la partie. On va faire un mode grand prix, bien entendu, ce qui nous intéresse en premier. On peut faire une course sur un week-end de grand prix, on peut faire un championnat, un tour d'essai, et on peut voir les options. Bon, les options, j'y passe rapidement, parce que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, en gros, vous allez pouvoir changer le son, le maniement, les réglages de l'écran, quoique... Peut-être faire un petit tour sur l'écran. Vous voyez, on peut changer juste ça. Ah, si, on peut changer le menu. Donc, on va faire enregistrer, c'est bon. Réglage sonore, on va garder ça. Et la manette, on va garder ça comme ça. Vous voyez qu'il y a un petit bug qui se passe là. Mais bon, n'inquiétez pas, dans le vrai jeu, enfin, dans le jeu, sur console originale, il n'y est pas. Ce qu'on va faire, nous, c'est une course, une petite course. On peut choisir donc les circuits, donc évidemment il y a la licence, puisqu'on est Formule 99, il y a la licence pour tout. Donc là par exemple, on a le Grand Prix d'Australie, le Grand Prix du Brésil, avec une petite impression sur le côté. Aucun bruit, aucune ambiance, mais bon, pourquoi pas. On a le Grand Prix de Saint-Marin. Vous allez voir que les graphismes ont été revus et sont vraiment beaucoup plus beaux que celui de Formule 98. Il y a vraiment un gap. Franchement, 98, c'est limite une anomalie entre les deux. Le 99 est beaucoup plus joli. Le Grand Prix du Canada, le Grand Prix de France, vous voyez, toujours là pour une petite présentation. On a le Grand Prix d'Autriche. 99, la nouveauté, c'était le Grand Prix de Malaisie, normalement. Voilà. D'ailleurs, je vous propose de faire le Grand Prix de Malaisie. On va prendre les deux nouveautés de la saison 99, on va prendre aussi la BR. Donc là, on a toutes les voitures de la saison 99. Avec, vous pouvez le voir, Mika Salo, hein, qui avait remplacé Michael Schumacher après son accident à Silverstone. On a donc les Williams. De Zanardi et de Michael Schumacher, de Ralf Schumacher, pardon. Très joli, ma foi, mais bon, la saison 99 de Williams aurait été très très mauvaise. Hein. 16 points uniquement, et marqué uniquement par Ralf Schumacher et non pas par Zanardi qui marquera 0 points. Ensuite, on a les Jordan qui font leur meilleure saison ever. On en a déjà parlé dans un Parlons F1, très très vieux Parlons F1 d'ailleurs, avec Demony et Ensar Alfrenzen. Les Benetton de Fisichella et Wurz qui ne bougent pas, qui ne bougeront pas d'ailleurs pendant 3 ans. On a les Sauber de Alesi et de Pedro Diniz. Enfin, les deux Arrows, pareil, magnifique, mais ultra mauvaise, avec le prince Malik qui va pas donner d'argent finalement avec son sponsor Téminus, et du coup qui va foutre Arrows dans une merde complète. On a Torosuke Takagi en deuxième pilote. Ensuite, on a les Jaguars, j'allais dire Jaguars, non, c'est les Stewart, avec Barrichello et
Johnny Herbert. Je vous dis non épilote, parce que vous pouvez voir, ça se chevauche, donc on voit pas très bien. Une des meilleures saisons d'ailleurs de Stewart, qui va se faire racheter par Jaguar l'année suivante. On a les Prost de Panis et de Trulli qui vont faire une meilleure saison d'ailleurs que la saison 98, elle manquait plus de points. On a, d'ailleurs elle était particulière, mais on ne voit pas trop sur les pontons, il y a des petites rainures. On a les Minardi de Marc Gené et de, alors je sais faire l'inverse, et Lucas Badoer et donc Marc Gené. Et la nouveauté, les 199, les deux BR, Supertech, non Honda, de Jacques Villeneuve et Ricardo Zonta, avec le remplaçant qui est là, vous allez voir Salaud, il est partout. Il est chez BAR et il est chez, chez Ferrari. Et bien entendu, on a les McLaren, les Mika Hakkinen et David Coulthard. Avec, vous pouvez le voir, voilà, le changement au niveau du visu, puisque les deux noms s'affichent. Évidemment, il n'y a toujours pas les, tobacco. Toujours pas les sponsors tabac, hein, évidemment, dans aucun jeu quasiment. On va prendre la BR, on va prendre Jacques Villeneuve. Du coup, j'ai envie de prendre Mika Salaud. Non, allez, on va faire une saison remplaçante. On va prendre Jacques Villeneuve. On peut choisir les réglages de course, donc par exemple, mettre les accidents. On peut mettre les dégâts, donc on va les activer un petit peu, on va les mettre en faible. On peut choisir le nombre de tours, on peut choisir le niveau de carburant, s'il y a le temps réaliste, si on met du pluvieux, du nuageux, de l'ensoleillé. On va mettre du réaliste. Le niveau des IA, normal, difficile, expert et facile, on va laisser en normal pour le moment. On a la résistance des pneus, les drapeaux, si on veut mettre des règles pour les drapeaux. On a les avaries, on va laisser en complet. Et l'assistance pour la grille, on va pas le faire. Et l'assistance dans les stands, on va les activer. Donc on va faire OK. Ensuite, on a un réglage de la voiture. Donc vous pouvez voir qu'on a des pré-réglages. Hein, P1, P2, P3, S1, S2, S3. C'est les réglages joueurs. Et là, c'est les réglages vitesse moyenne élevée ou lente. On peut régler, par exemple, la direction assistée, le freinage assisté. On va pas faire ça, on va faire OK. On va directement commencer la course, sinon on n'y arrivera jamais. Ça fait déjà 7 minutes qu'on enregistre. On n'a même pas fait encore un seul tour. Le changement toujours aussi austère. Après, l'interface, elle est comme elle est, mais je la trouve classique, très normale, très basique, mais elle est très propre, on comprend tout, on se perd pas. Je veux dire, ça fait son taf, mais ça manque un petit peu d'ambiance. C'est vraiment ce que je vais regretter dans ce jeu, du moins dans les menus. On va faire une séance de qualification. On va faire, alors vous voyez qu'il y a les échauffements de qualification à l'époque, il y a les qualifications. On peut modifier la grille si on veut. Si on fait modifier grille, par exemple, voilà, on peut se dire que, bah pour rigoler, Marc Gené va partir en pole position à la place de Mika Hakkinen. Et d'ailleurs, tant qu'à faire, on va mettre de la Rosa à la place d'Hakkinen. Vous allez voir, ça crée un bouchon normalement. Badoer, on va le mettre à la place d'Hakkinen encore une fois. Et on va mettre Takagi à la place d'Akinen toujours. Voilà, les deux premières grilles avec les deux plus mauvaises équipes. Astrien, on va faire OK. Et on va donc faire course, hein, puisque j'ai déjà fait les qualifications finalement en modifiant la grille. Donc c'est parti. On va faire la course direct. En espérant que le jeu ne plante pas. On va voir les commentateurs normalement. En pole position, Marc Gené. Près de lui se trouve Pedro de la Rosa. Et en troisième place, nous retrouvons Luca Badoer. En quatrième, Tora Takagi. En cinquième place, Mika Hakkinen. En sixième place, David Coulthard. Septième place, Eddie Irvine. En huitième position, Michael Schumacher. Neuvième place, Damon Hill. Dixième place, Heinz Harald Frenzel. Voilà, donc on pourrait tout faire, mais tout ça pour vous dire qu'on a les voix de Van Vliet. C'est plutôt pas mal. Plusieurs vues. Vu caméra embarquée, vu de loin, nous allons commencer avec l'avion embarqué et c'est parti. Avec les deux Jordan qui partent en. On est parti 11ème, ça fait aléatoirement, j'ai envie de dire. Donc on va essayer de faire un bon premier virage. Ils sont tous bien partis et il y a peu d'incidents à déplorer. Il réduit l'écart, il les sépare. Aïe, là on s'est touché un petit peu. Ils ont eu un léger accrochage, mais rien de bien méchant apparemment. Alors Run Free, c'est pour remplacer Lucky Strike. Il pourra se lancer cette fois. Va-t-il réussir à le dépasser? Vous avez vu la vitesse des IA dans les virages. Alors j'avais souligné le défaut sur ordinateur, mais le défaut est évidemment le même sur console. Oui, les IA ont une tendance à être très rapide dans les virages et plutôt lente en ligne droite. Vous pouvez voir qu'il y a déjà une arrose qui s'est fait dépasser. Il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Il remonte rapidement derrière lui. Voilà, les deux Minardi se sont fait déposer. Il vient de réaliser...
réaliser une incroyable manœuvre. Et là, on sait quoi attendre. Voilà, on s'est retrouvé dans le gravier. On va repartir. On va remettre une vue un peu plus près. Voilà, j'aime bien cette vue. Hein. Franchement, elle est plutôt agréable. Je trouve que c'est une des meilleures vues du jeu par rapport au Formule 1 98 ou 97. On a vraiment une vue cockpit intéressante, plutôt bien réalisée. Allez, parfait, on est 7ème. On va prendre l'aspiration sur la Jordan, qui est en train de dépasser la Rose d'ailleurs. Et là, vous voyez, j'ai le rétroviseur qui marche avec les voitures derrière moi, même si c'est assez pixelisé. Oula. J'ai tellement réaccéléré vite que je me suis retrouvé à... On va partir totalement à gauche. Alors on va changer un petit peu. Vous pouvez voir que les commentaires ne sont pas très changeants. Ouais, c'est trop redondant en fait au niveau des commentateurs. Et on va dépasser. Du coup, on est deuxième. Donc on a dépassé, je pense, Coulthard ou Hakkinen. J'ai pas fait gaffe. Alors on va parler un petit peu des. Donc on a parlé des commentateurs qui sont pas très exceptionnels, hein. Franchement il aurait pu vraiment mieux faire. Content d'avoir Van Viet, mais ça s'arrête là, hein. Il n'y a pas grand chose d'intéressant à signaler. Au niveau du tracé, on est bon, hein. Sincèrement le circuit est plutôt bien réalisé, ça suit les trajectoires réelles. À peu de choses près, hein. Je pense pas que le jeu ait été fait au GPS. Il semble que ces voitures se sont légèrement heurtées. Va-t-il réussir à le dépasser ? Les voitures sont bien réalisées, on a quand même des voitures bien faites, et surtout les 3D différentes, c'est tout ça qui est intéressant. On a le défaut, je crois que c'est dans Formula 1 ou F1 Grand Prix, où les F1 en fait avaient la même 3D, mais évidemment pas les mêmes livrées. Bon là écoutez, on s'en sent pas mal, on va remettre la petite vue comme ça, sympathique. Et je pars en tête à queue au freinage, alors ça c'est super réaliste par contre. On va repartir derrière. Et oui, le freinage, hein, c'est totalement mal passé. J'ai trop freiné. C'était un petit peu le défaut de Formule 98, mais c'est aussi le défaut du 99. Bien même si là, effectivement, j'ai vraiment trop freiné, donc c'est normal. C'est pour éviter de piler comme un fou. On est en moyen, donc c'est normal que ce soit pas très compliqué. Sauf que je suis avec une barre Super Tech, qui normalement devrait être beaucoup plus lente que les Ferrari, par exemple, ou les McLaren. Oh oui, ce fut facile. Va-t-il réussir à le dépasser ? S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer, c'est quoi ? Il semble que ces voitures se sont légèrement heurtées. Alors, à pas forcément faire tous les tours, quoi, je pourrais les faire pour vous montrer un petit peu la fin de la course. On va faire ça. Et après, on fera un petit championnat pour voir un peu le déroulement. Il réduit l'écart qui les sépare. Vous voyez, les trajectoires des IA sont très vives. On sait pas trop des fois s'ils vont nous éviter. Alors ils essaient de nous éviter, hein, ça c'est pas mal. Mais ils font tellement des embardées énormes qu'on sait vraiment pas s'ils vont nous éviter, s'ils vont pas passer d'un coup à droite à gauche au freinage. Enfin, c'est assez compliqué à gérer. Et c'est vraiment le gros défaut du jeu en fait, c'est l'IA le gros problème. Parce que le reste est plutôt pas mal, le maniement, bon il a un petit peu changé par rapport à fin 98, est quand même bien mieux. Ça reste arcade, bien entendu, on est sur PlayStation 1. Mais voilà, il est quand même correct, on s'amuse, on prend plaisir. C'est un jeu qui est ma foi pas mauvais, qui rattrape pas mal le niveau de fin 98. Même si voilà, l'IA va gâcher un petit peu le plaisir du jeu. Alors on arrive dans la ligne droite, sur gros freinage, je vais essayer de tapoter pour pas trop. Les petits effets lumineux à l'arrière avec les flammes au niveau des pots d'échappement, ça c'est un détail plutôt sympa. Voilà, position après 3 tours. Alors juste voir s'il y a une petite vidéo. Tous les espoirs sont permis. Et tant qu'il est sur la piste, tous les espoirs sont permis. C'est pas mal, c'est plutôt original comme commentaire. Et vous avez vu quand même que les Saros et les Minardi sont plus là. Hein. Elles sont même pas dans le top 10, elles sont 11e de la Rosa sur la première rose. Alors j'ai pas trop parlé des sons, en revanche les sons sont pas mauvais en soi, mais sont pas énormes non plus. Je pense qu'il y avait vraiment moyen de mieux faire. Ah,
Et je sais pas si vous entendez bien au niveau du son, mais il y a quand même des petits effets sonores sympas, hein, au niveau des vibreurs, au niveau des explosions, quelques effets de un peu surround. Il dérape dans l'herbe. Ouais, je rapproche un peu la caméra pour que vous puissiez voir le modèle 3D. Bien rendu. Ce que j'aime beaucoup, c'est les pneus. Je trouve que les pneus, même si bon, on voit que c'est une texture appliquée, hein, il n'y a pas vraiment de reflet en temps réel sur les pneus, ils rendent vachement bien. Et surtout cette vue, hein, que je trouve exceptionnelle. Même s'il n'y a pas le volant, hein, vous remarquerez, quand on tourne, bah, il n'y a pas de volant. Donc, fait avec. Et l'avion embarqué. Oh, on a failli partir en tête à queue. Allez, on va finir le dernier petit tour et puis on fera un petit mode championnat. Encore 9 tours. Alors elle dit encore 9 tours. Pourtant il n'y a que 5 tours. Déjà il y a encore un petit bug au niveau des commentateurs, c'est un petit peu dommage. Alors après je vais essayer de vous montrer un petit autre circuit et on fera un championnat. Je change déjà la façon de gérer le jeu, mais c'est pour vous montrer un peu plus de contenu parce qu'effectivement là. Alors vous remarquerez qu'il y a eu un abandon aussi. L'IA peut faire des erreurs ou il peut y avoir des casses mécaniques. Ce qui pourrait m'arriver d'ailleurs là, hein, je pourrais avoir un problème mécanique et abandonner. Regardez, il, Barrichello, allez-y Zonda, on est bien en 99. Hein. 99, le temps d'abandon était assez conséquent, comme en 2000 d'ailleurs. Le nombre d'abandons a commencé à chuter après 2002, entre 2003 et 2004 déjà il y en avait beaucoup moins. Oh, on est parti à la faute. Et voilà, on a tout perdu en l'espace d'un tour. En plus, c'est dommage parce que je voulais vous montrer peut-être s'il y avait une vidéo quand on gagne. Et ben, c'est raté. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer. C'est ça reste faisable, hein. Ça reste faisable. Quelle manœuvre incroyable! C'est incroyable! Ils ont eu un léger accrochage, mais rien de bien. Alors, on va prendre l'aspiration. Ouais, c'est quand même vachement facile de revenir. Hein. Et finalement, victoire pour Jacques Villeneuve chez Bar Supertech, incroyable, alors qu'il nous marquait aux 0 points en fait durant cette saison. Même Minardi a fini devant eux avec un point. Bon après c'est au prix énormément d'abandon, même si Badoer a failli marquer 3 points en finissant 4ème au Nürburgring, mais il abandonnera à quelques tours du but. Et là on a droit au classement final, mais quand je dis le classement final, c'est vraiment un classement avec de la première place à la 22ème. C'est quand même, voilà, enfin on a un classement complet. C'est ce qui aurait été vraiment dommage dans les anciens, c'est qu'on pouvait pas l'avoir. Alors on va mettre, bon oh, peu importe, de toute façon c'est pas important, oups, on va faire ok, en bas. Meilleur score course, un grand prix, et ben on est 5ème, voilà, meilleur tour. Faut voir qu'on peut aller quand même en 1.33 en mode expert, ce qui fait qu'on était vraiment pas très rapide. On va faire un grand prix. On va prendre le grand prix de Monaco. On va changer le pilote aussi au passage. On va prendre, pourquoi pas la petite Jordan, vu que Sarah Frazen avait fait une très bonne saison. Et au niveau du circuit, je vais vous montrer évidemment, hein, comme très souvent pour comparer, le grand prix de Monaco. Et on va voir si celui-ci est bien réalisé. Le chargement plutôt court. Bon après c'est pour arriver au menu. Donc c'est normal que ce soit plutôt court. On va faire d'autant une course, on va pas s'embêter. On peut faire un aperçu piste mais on va pas le faire. Désactiver, ensoleillon, on partira à 22ème. C'est parti pour la course. Je pourrais régler la voiture d'ailleurs. Direction assistée on a dit non. Je sais plus comment on fait pour régler. Bon, c'est pas, on va faire course directement. Et ouais, ça a déjà commencé. Le chargement s'est fait pour le menu. Une fois que c'était fait. David Coulthard. Ouais, près de lui se trouve Michael Schumacher. Alors, le logo gauloise a été remplacé par Monaco. Barrichello 6ème, c'est pas mal. Il 5ème aussi. Desmonil. En 6ème place, Rubens Barrichello. 7ème place, Jacques Villeneuve. Oh, salaud sur la barre, 8ème aussi. Allez, on va faire start, on va commencer directement. On n'attend plus que le signal, la tension devient insupportable.
Alors, un très bon départ. Oh, une voiture qui a carrément calé. Quelle catastrophe. Oui, effectivement, c'est une catastrophe. Le bon départ de tout le monde quasiment devant. Alors là, pour dépasser, ça va être très très difficile. Il remonte rapidement derrière lui. Vous avez vu que Guillaume est rentré dedans comme si j'avais pas été là. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Écoutez le bruit. Le bruit des collisions. Il réduit l'écart, il essaie pas. Qui est assez dégueulasse. Et vous avez vu, j'ai touché la Minardi, pourtant visuellement on l'avait pas touché. Il y avait un petit écart d'au moins un demi-mètre. Alors là, cette partie est plutôt bien faite avec les lumières dans le tunnel, je trouve ça vachement bien réussi. Vous avez vu quand j'ai freiné, ça a fait pouf d'un coup. Il a réussi à le dépasser. Il s'est pris le mur. Il s'est pris le mur. On va voir si je peux passer. Cette Jordan est vraiment... Alors je sais pas, ça dépend toujours des goûts, mais quand même vraiment magnifique. Je comprends pourquoi Renault actuellement ne fait pas une livrée un peu dans ce sens-là, parce qu'ils ont du jaune et du noir. Bon, évidemment, c'est pas le même jaune, mais bon. Ils auraient pu faire un truc vachement plus beau. Ce mur ne pardonne pas. Allez, on est 15e, on va faire un tour ou deux, puis après, on va... Vous avez vu, hein, je touche un tout petit peu. J'aimerais vous montrer les dégâts, mais je crois que je l'ai pas activé, j'ai pas fait attention. Oui, il est bien parti. Oui. Il profite de l'aspiration, il pourra se lancer. Déjà eu un abandon d'ailleurs. Il est réduit l'écart, il essaie pas. Va-t-il réussir à le dépasser? Il remonte rapidement derrière lui. Bon, c'est un peu bourrin. Comme je vous dis, l'IA est assez problématique. Hein. Il se fiche de savoir si on est devant nous ou pas. Il pourra se lancer cette fois. La chicane qui se passe tranquillement. Alors on a beaucoup de grippe hein, dans ce jeu. La voiture tourne excellemment bien. Elles sont pas très souvireuses. Va-t-il réussir à le dépasser? Il remonte rapidement derrière lui. Il semble que ses voitures se sont légèrement heurtées. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer. Voilà, il nous a vraiment laissé passer complètement. Il réduit l'écart, il les sépare. Je navigue entre les F1, regardez. Que va-t-il faire maintenant? Cette voiture fait des prouesses sur ce circuit. Il remonte rapidement derrière lui. Et on va se retrouver quasiment en tête au bout de 3 tours. Va-t-il réussir à le dépasser? Et on remarquerait qu'il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a rien eu quand on a gagné la course. Alors, une petite vue en caméra embarquée, évidemment. Pour ce Grand Prix de Monaco. J'adore cet effet, il y a rien à faire, je vais le redire, mais c'est quand même excellent. Pour de la Play 1, je trouve ça vraiment réussi. Et le circuit, ma foi, est très réussi d'ailleurs aussi. Hein. Très fidèle à l'original. Bon, par contre, un peu large, ici, dans cette partie de la piste, c'est trop large. Normalement, en F1, c'est légèrement moins large. Bon, on va finir le tour et puis on va passer en mode championnat. Au niveau des ralentissements, il n'y en a pas beaucoup, hein. Le jeu est plutôt fluide aussi. Pourtant, les détails sont plutôt bien rendus. Oh, quel choc, on n'aura pas vu, bon c'est pas grave. Quitter la course, on va faire oui. On peut voir le ralenti aussi. Donc je peux accélérer la vue, voilà. En revanche, je peux pas faire grand chose, hein. Je peux faire que... X ou rond pour accélérer le vidéo, mais je ne peux rien faire d'autre. Hein. Si j'appuie sur les touches de contrôle, il se passe rien du tout. Allez, on va faire start, on va faire quitter ralenti. Oui. On va venir au menu principal et on va donc tenter un championnat, pas entièrement bien entendu. On va faire une course à Melbourne. On va mettre, on va laisser la difficulté. Voilà, et ok.
D'ailleurs, j'ai mis Kim, pas Kim. Et du coup, on a fait le meilleur temps, regardez, 1.12, 1.22. C'est pas normal hein, qu'on puisse faire un tour aussi rapide. Enfin, Grand Prix. Un championnat. On peut pas choisir le circuit jusque-là, c'est logique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme voiture? Ça, on l'a déjà pris. La Prost, on l'a déjà pris à l'époque. On prend une Minardi pour une fois? Allez, on prend une Minardi. On va prendre Sarrazin. Sarrazin, celui qui a fait qu'un Grand Prix, le Grand Prix du Brésil 99, avec un gros accident d'ailleurs dans la ligne droite. On va faire. Circuit, c'est bon. Réglage course, c'est bon. Ah, j'avais désactivé les dégâts. C'est pour ça alors. Bon, on va laisser comme ça. Niveau des tours, on va laisser 5 tours. Même si on devrait peut-être mettre un peu plus. On va mettre 10 tours. Voilà. Difficulté, on les a. Drapeau, on les a. Les pneus, on va laisser comme ça. J'ai rien plus à savoir. Assistance, on l'enlève. C'est ok. On va faire de réglage de voiture, c'est bon. J'ai pas la difficulté, il me semble. Si, difficulté, on va mettre pas en difficile. On va mettre en difficile. Allez, c'est parti. On va voir si le jeu est cohérent en niveau difficile, au niveau de la hiérarchie. Logiquement, comme bien dit, je devrais pas terminer mieux que, on va dire, une 17e ou 18e place. Parce qu'il n'y a que Arroz qui était contre Minardi à l'époque, en 99, et les autres étaient beaucoup plus rapides. Il y a vraiment un gap entre les deux. Même si parfois, Gené arrivait à faire des qualifications, je crois, 15 ou 16. Mais c'était vraiment, vraiment très rare. On va faire une petite séance de qualification. L'Albert Park de Melbourne devrait faire on va avancer le temps, on va l'avancer à 29. Pour rejoindre la piste, on peut régler la voiture. On va faire rejoindre la piste. Et c'est parti. Et voyez, on le fait nous-mêmes, hein, la sortie de piste. On a même un autre pilote derrière nous. Et bienvenue donc à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie. Vous voyez, la Minardi quand même très peu fournie en sponsor. C'était vraiment le cas en 99. A savoir qu'en 99, quand l'équipe a été officialisée dans le sens où vous avez donné sur line-up pour la saison que la voiture a été construite, a été quasiment sans sponsor. Hein. Il n'y avait vraiment que fond de métal dessus pratiquement. Et beaucoup disaient c'est la fin de Minardi. Et finalement Minardi a réussi à tenir quand même pas mal d'années de plus. Merci Paul Stoddart aussi à partir de 2001 parce que l'équipe commençait vraiment à être au bord du gouffre. Même s'ils avaient aussi le sponsor Telefonica qui les avait bien aidés en 2000. Le seul problème de l'année 2000 c'est que si la voiture n'était pas trop mal, ça restait qu'une évolution. Et surtout un moteur Zetec R qui était totalement à l'agonie, qui avait quasiment 2 ans ou 3 ans de retard par rapport aux autres. Voilà, c'est le tour de lancer, donc je peux aller doucement. Pour résumer, le jeu est quand même très propre, l'IA est à revoir, c'est le gros défaut, mais tout le reste est bon. Le son est correct, les graphismes sont plutôt beaux, le clipping est pas trop présent devant, bon évidemment ils sont Play 1 donc quand même un petit peu. Mais il y a toutes les licences, on va voir au niveau de l'hiérarchie si tout se passe bien. Mais je vois pas de gros défauts à ce jeu. Il est pas exceptionnel, vraiment pas exceptionnel, mais ça reste sympa. Après il faut se dire que s'il a pas eu une note énorme, c'est aussi parce qu'en 99, bah entre temps, Les autres jeux avaient bien progressé. Et c'était pas comme Formule 1 95 par exemple, ou 97 qui avait quasiment aucune concurrence. Là, malheureusement, ils ont dû améliorer le tir. Et c'était déjà un petit peu trop tard. Hein. D'autres séries étaient un peu mieux. Les F1 World Grand Prix, pas forcément, mais en tout cas, les. Alors, c'est un petit peu compliqué. C'était pas les F1 World Grand Prix, c'était les. F1 Championship saison, voilà, était quand même pas mal aussi. Alors je sais pas si je suis en avance ou en retard, j'ai pas fait attention par rapport à Schumacher. On est en difficile, hein, je répète. Donc je ne devrais pas pouvoir faire une pole avec une Minardi. Et là on va voir si le jeu mérite une note supérieure ou inférieure. Là, j'ai perdu un peu de temps à leur accélération. Et
finalement on est 7ème et une seconde 3. Je vais faire un deuxième petit tour pour voir si je peux améliorer légèrement. Et puis après on abandonnera les qualifications. Alors le problème c'est que je risque d'être gêné. Je risque d'être gêné. J'aurais dû prendre gêné alors. Le problème c'est que ouais, je perds du temps. Devant ça bouchonne, heureusement. On a pu dépasser tout ça. 7 dixièmes de retard, c'est un petit peu moins. Là, j'ai complètement perdu la voiture. On va voir si je peux rattraper ça. Ouais, ça va être difficile. Ça va être difficile. Allez, je dis rien, je vous laisse profiter des sons du jeu. Mon freinage. Bon, bah écoutez, je pense qu'il n'y aura pas la pole loin de là. Ah, j'ai quand même envie d'essayer. On va tenter une dernière fois. On a l'hélicoptère aussi au-dessus du circuit. Petit détail toujours agréable. On a à peu près le même retard. Alors je vous ai pas montré, mais dans les options, normalement, au niveau de l'affichage, voilà, on a kilomètre, on peut mettre transparent, solide, désactivé. Écoutez, je vais mettre désactivé, juste pour voir un petit peu. Voilà, retour. Au niveau du son, les commentaires et le moteur. L'affichage, on l'a déjà dit. La carte, on peut l'activer ou désactiver. Bon, je vais mettre désactiver. Alors, on va avoir trace de pneus. On va mettre normal. Haute visibilité désactivée. On va mettre normal. Et là, on a un jeu qui est totalement vide. Ah, j'ai pas relâché du tout l'accélérateur. En plus, il m'empêche de le doubler. On va prendre. Ah là, c'est la faudra faire se tromper. Allez, sur la ligne, peut-être un petit peu mieux. Cinquième temps. Écoutez, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. On va mettre affichage graphique transparent, mettre solide. Je trouve qu'en solide, c'est beaucoup mieux. Et voilà, on a fait le cinquième temps, on va faire fin de qualification. Et on va donc démarrer la course. On va voir combien on part. Ça veut pas dire qu'on part forcément cinquième normalement. En pole position, David Coulthard. Près de lui se trouve Eddie Irvine. Et en troisième place, nous retrouvons Michael Schumacher. En quatrième, Damon Hill. En cinquième place, Mika Hakkinen. En sixième place, Heinz Harald Frentzen. Septième place, Rubens Barrichello. En huitième position, Ralf Schumacher. Neuvième place, Stéphane Sarrazin. Dixième place, Johnny Herbert. C'est quand même pas mal. On est neuvième. Alessandro Zanardi. Un très bon, une très bonne qualification pour une Nordi. Mais vous avez vu, c'est pas la pole. Treizième place, Jean Alesi. Quatorzième position, Alexander Wurz. Alexander Wurz. Et c'est parti. Bon, très mauvais départ. On a perdu une place déjà. On va pas faire les 10 tours bien entendu, mais on va quand même voir jusqu'au bout. Rapidement derrière lui. Superbe départ, ils sont tous bien partis.
Alors, on va voir en course comment ça se passe. Parce qu'en qualification, on est tranquille. On va voir le mode difficile, ce que ça vaut. On a failli se faire déposséder par... déposer par une... par une Williams. Va-t-il réussir à le dépasser? Alors, on va pouvoir utiliser l'aspiration peut-être sur la... sur la Stewart. Cette voiture fait des prouesses sur ce circuit. Ah, là par contre c'est la grosse erreur. Alors vous remarquerez qu'autant je peux modifier l'écran, la position d'écran, autant je n'ai pas trouvé de mode 16 neuvième ou 4 tiers, c'est un petit peu dommage. Là par exemple on a deux bandes noires sur les côtés. Alors est-ce qu'on peut remonter? C'est ça qu'il faut savoir. Alors position après un tour. Schumacher, Coulthard, Häkkinen, Irvine, Frentzen, Barrichello, Herbert. Je ne peux pas le croire. Alors voilà, encore une fois, il vient de dire je ne peux pas le croire, mais pourquoi, pourquoi? On ne sait pas de quoi il parle en fait. Alors on n'a pas trouvé les dommages pour le moment. J'ai l'impression qu'il y a dans ce pif paf on est plus rapide. Le reste de la course, on est un petit peu plus lent. Il a atterri dans l'herbe. Et j'ai encore loupé. Alors on va essayer l'aspiration. Oh, il est resté à l'intérieur. Alors ce qui est intéressant c'est de voir si au bout du tour ils vont s'arrêter ou pas. Possiblement qu'ils vont pas s'arrêter, parce que 10 tours ça reste assez court. Mais je pense pas qu'on puisse le voir. Là, je n'ai même pas freiné, je n'ai fait que ralentir. Et la réaccélération, on est passé. 8ème place pour Sarrazin, c'est incroyable. Quel pilote de génie qui aura sûrement une grande carrière en Formule 1. Ils ont eu un léger accrochage, mais rien de bien méchant. Ah, j'ai complètement coupé. Je ne peux pas y croire. Pourtant, si. Cette voiture fait des prouesses sur ce circuit. Il remonte rapidement derrière lui. Vous avez vu l'assistance quand même de la McLaren derrière, hein, qui est restée collée au freinage. Il réduit l'écart. Et pour une fois, j'ai fait un... Oula, attendez, l'accélération. Il a réussi à le dépasser. Bon, vous voyez, comme vous pouvez le voir quand même, le jeu en mode difficile, c'est pas ça. Faut falloir passer un cran au-dessus encore. Sinon, ça sera pas réaliste. La hiérarchie est réaliste, par contre. Avec une indice, je n'aurais pas pouvoir faire ça, c'est impossible. Va-t-il réussir à le dépasser? Il remonte rapidement derrière lui. Il réduit l'écart qui les sépare. Il a réussi à le dépasser. On est quasiment deuxième. Hein. Ah, j'aimerais vous montrer un circuit sous la pluie aussi. Donc je pense qu'on va... on va juste essayer de voir si on peut rattraper Schumacher. Et après on fera juste un test sous la pluie. Pour voir un peu si le jeu est bien fait. Et si, surtout si le maniement change. C'est ça qui m'intéresse. Alors retenez ce screenshot parce que Stéphane Sarrazin meilleur tour, vous le verrez jamais. Ou peut-être en essai libre 1, 2 ou 3 au bout des 4 premiers tours avec la seule Minardi qui s'est lancée. Pff,
Ouh là, au freinage. Et on est passé devant Schumacher, incroyable. Allez, on va s'arrêter au stand histoire de vous montrer les pits, comment ça se passe. Et après, on finira sur une. Un coup de théâtre ? Que se passe-t-il? Un coup de théâtre. Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne derrière. Mais je doute que ce soit un coup de théâtre de mon côté. Regardez comme il est revenu, hein. Voilà, le yo-yo entre les fins est pas très réaliste. Il y a vraiment des fois où on gagne vraiment, vraiment beaucoup de place et d'autres non. Allez, je vais rentrer au stand. À fond. Il a arraché une partie du mur sur son passage. Alors, c'est parti. Le roi avant, on va mettre haut. Et le roi arrière, haut. On va faire OK. Bon, on va se retrouver très très loin normalement parce que personne ne s'arrête sauf nous. Et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de. Et personne, il n'y a pas d'animation au stand, ça c'est un peu dommage. Ils avaient mis ça dans le 98, ils l'ont pas mis cette fois-ci dans le 99. Bon, pourquoi pas. Et j'ai oublié de vous parler aussi de ça, dans le 99, on peut conduire la safety car. C'est une nouveauté, ça sert pas à grand chose, mais on peut faire des courses de safety car. Ou conduire la safety car sur un circuit. Quelle manœuvre incroyable! Bon, ce que j'ai fait ne servait à rien, évidemment, on va m'arrêter maintenant. Aucun intérêt. Il remonte rapidement derrière lui. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même assez plaisant. Voilà, c'est Barrichello qui a abandonné au tour 4. Alors, est-ce que ce jeu pourrait servir d'une nouvelle série sur un championnat F1? J'ai envie de dire... on a fait le 98, 97, 95, pourquoi pas faire le 99? Franchement, ça se tente. Ça se tente, mais je pense quand même que le jeu est un peu trop imparfait au niveau de l'IA pour que ça soit vraiment intéressant. A voir. A voir, pourquoi pas. Alors, on finit ce tour et je vous montre un peu de pluie. Oui, il est bien parti. Oui. Ouais, on remonte vraiment d'un coup. Je sais pas ce que c'est devant, c'est nul. Allez, on va faire un start et on va changer de circuit. On va faire quitter. Et je vais vous montrer donc la pluie, on s'arrêtera là-dessus. Vous remarquez que j'ai fait quitter, hein. Pas quitter la course. On va faire quitter. On va faire un grand prix, on va faire une course de 1 GP, par contre au niveau des options, non c'était course, un grand prix, réglage de course, voilà le temps, on va mettre pluvieux, dégâts on va les mettre au maximum, faire OK, on va changer le pilote, on va mettre autre chose, on va mettre par exemple, ah bah écoute allez c'est parti, on va prendre Zanardi. Le circuit, on va le changer aussi. On va prendre par exemple... Ah bah sous la pluie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'ancien Grand Prix d'Allemagne, le Grand Prix d'Hongrie... Bah la Belgique! Allez, la Belgique sous la pluie, c'est parti. Et donc, vendredi, samedi, dimanche, pluvieux jusque-là, rien d'extraordinaire, enfin la course directement. Alors ça, j'ai pas trop compris comment je pouvais changer. Voilà, là on peut changer. Save sur pneu humide dur, humide tendre, pas de tendre, tant qu'à faire. Aileron, Astrafancorchamps, bon, j'ai plutôt envie de les mettre en moyen, hein, tant pis. Et on va faire... course, donc c'est parti. Et ouais, les pneus ont changé, la texture est plus la même, on est vraiment en pneu pluie. En pole position, Mika Häkkinen. Près de lui se trouve Eddie Irvine. Et en troisième place, nous retrouvons David Coulthard. En quatrième, Heinz Harald Frentzen. En cinquième place, Jean Alesi. En sixième place, il y a un petit bug graphique. Septième place, bon, on va faire start, on va directement démarrer la course. On n'attend plus que le signal, la tension devient insupportable. Mais c'est incroyable.
Bon, je fais un très bon départ. Ou par contre, une voiture qui est calée. Ou attention, ça c'était ultra dangereux. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Et vous voyez, il n'y a pas d'emballement au départ. Les voitures prennent le point de virage très rapidement. Il n'y a pas de voiture au ralenti devant nous. Il réduit l'écart, il les sépare. Et donc, on est sous la pluie. Est-ce qu'on peut prendre le raidillon à fond sous la pluie? Bah écoutez, ça passe largement et c'est un petit défaut. Oh, regardez le petit vortex sur les ailerons, arrière. Encore une petite touche de réalisme, puis c'est très sympa. Non, et comme je pouvais m'en... pas m'en douter, mais presque, il n'y a aucune différence en fait à rouler sous la pluie par rapport au sec. Regardez, je tourne à fond, ça passe largement. Graphiquement parlant, le jeu, bon, l'eau, on sent qu'elle y est parce qu'il pleut, hein. On sent qu'il y a quelques petits... pas forcément des reflets, mais les effets de projection. Mais ça s'arrête là, avec évidemment les nuages. Mais c'est pas très très réaliste, donc ça sera un deuxième défaut. La pluie n'est pas spécialement gérée, il se passe rien du tout. Alors techniquement, on aurait dû peut-être tester avec des pneus tendres. On dirait qu'on... tape avec une voiture, une 4L en fait, quand on rentre dans une voiture, c'est l'impression que c'est une 4L qui se prend un mur. Et ne pas se tromper. Voilà, là il y a la chicane. Voilà à quelle vitesse ils prennent la chicane. Il remonte rapidement derrière lui. Et que va-t-il faire maintenant? Eh ben le doublé, hein, tout simplement. Aucun problème. Aucun problème. Bon ben voilà, écoutez, je pense que je vous ai montré pas tout le jeu, loin de là bien entendu, mais quand même une bonne partie du jeu. Bah pour résumer, c'est un jeu très correct. Pas le meilleur jeu du monde, pas mal d'irréalisme dans le maniement, dans les l'IA, dans les collisions. C'est pas... voilà. La technique est moyenne, les graphiques sont bons, l'audio est bon. C'est un petit jeu comme ça, à tester pour s'amuser. Ça reste un jeu qui mérite un bon 14, 14-15. Mais qui ne vole pas plus haut parce que voilà, il y a des choses qui sont un peu immanquables. Regardez les collisions là, c'est quand même pas ça. Alors j'ai mis des dégâts réalistes aussi, souvenez-vous. Et vous voyez que bon bah là j'ai beau taper deux fois la voiture, rien ne s'est arraché. Donc ça reste un petit peu dommage aussi. On a peu eu droit à des avaries, mais ça pourrait très bien arriver sans qu'on le demande. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour Formula One 99 sur PlayStation. Il réduit l'écart, il les sépare. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et ciao tout le monde. Ah, dernier petit détail avant de partir. Je pense que la vidéo doit être en qualité encore améliorée. Merci la fibre. Et normalement, le jeu devrait être beaucoup plus joli à voir. Enfin, le jeu reste dégueulasse pour l'époque, mais... la vidéo en elle-même un peu plus jolie. Et ça sera le cas aussi pour les autres jeux, donc profitez-en. Et que va-t-il faire maintenant? Voilà, là, je double tout le monde. On passe à travers, on casse tout. On avait fait passer. Regardez, voilà, j'ai cassé l'aileron, je vous aurais montré ça. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.